Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Papa vs maman. Alors oui, aujourd'hui on vous fait un petit sketch Papa vs maman au quotidien avec les enfants. On s'est rendu compte dans le quotidien que des fois c'était un peu rigolo la façon de faire de papa et de maman, du coup un peu complètement l'inverse. Donc on va reprendre un peu des stéréotypes du quotidien. Papa vs maman. Ouais. Allez, c'est parti les garçons. Oui. Ça va être rigolo. Oui. C'est parti. Ouais. Voilà. Tiens, vas-y, essaye de le mettre là. Essaye de le mettre là. Regarde. C'est moi qui le fais. C'est moi-même. Waouh. Elle est trop forte celle-là. C'est bon, Tino? Les enfants, yeah. Les enfants, on va faire goûter. Oh. Allez, on va goûter. Non, on va manger quand même. Oh non, on va manger. Mais non. Non, vas-y, on mangera tout à l'heure. Allez. Bah oui. Allez. Oui, demain. C'est bon. Allez, go, j'y vais. Alors, moi je vais construire un immeuble. Et puis moi je vais construire un immeuble à tout. Ah ouais, ah oui, elle est grande. Et puis alors moi je vais faire une tour. Quelle part? Comme ça. Ah ouais. Voilà mon petit lapoteur, un vanilla. Et on arrive ici. Toi tu construis quoi, Tino? Quelle part? Et toi, Lenny? Une maison un peu bizarre. Une maison bizarre. En forme d'arbre. En forme d'arbre? Ah ouais, c'est original ça. Une voiture très originale. Ah oui, une voiture arbre. C'est sympa. C'est bon, vous y arrivez les enfants? Non, j'y arrive pas. Ça fait trois fois que je te réexplique. Ça. Bon, attends, je te le fais parce que ça va aller plus vite. Ouais, je peux faire comme ça. Tiens, comme ça, ça va être fait. Ouais. Papa, il nous fait nos devoirs. Voilà, c'est bon? Oui. Bon, attends, je te finis celui-là, comme ça, ça va aller. Je crois que c'est ça. Merci. Et là? Oui. Voilà, c'est bon, allez. C'est fini. Cody, t'as fait ton dessin? Oui. Merci. Allez, les devoirs sont finis. Oui. Alors attention, c'est bien 20 est égal quelque chose plus quelque chose. Hein. Oui. D'accord? Maman, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Bah regarde. 20 est égal. 20 est égal 13. Plus quelque chose. Donc c'est comme si tu faisais 20 moins 13. D'accord? J'ai rien compris ce que tu me dis. Regarde. 20 moins 13, maman, ça fait combien? J'ai pas compris ça. 7. Voilà, 7. Donc tu continues comme ça sur toute la ligne. Et toi? J'ai pas compris ça. Bah c'est pareil, tu vois, 20 moins quelque chose. 20 moins 18 est égal à quelque chose. Donc ça fait 2. Voilà, c'est bien. Allez, on continue comme ça sur toute la ligne. C'est le même principe sur toute la ligne.
Maman t'appelle. Allô? Ouais. T'arrives dans combien de temps? 10 minutes? Oui, oui, on a mangé. Oui, on a mangé. Bon bah, à tout de suite. À tout de suite. Vite, vite. Elle arrive, on n'a pas encore mangé. Vite, vite, vite. Attends, on va se... Ils n'ont pas encore mangé. Non, je peux manger quoi? Tiens, des olives. Mange. Mais non, j'aimerais les olives. Vous voulez voir quoi, les enfants? Moi, je veux des sirops violettes. Moi, je veux des coca. Attends. Je veux des violettes. La violette? Oui. Attends, j'ai pas trop de temps, là. Et puis aussi, je veux... Vite. Attendez. Attends, Sally. Ah, vas-y, oh, ils ont pas encore mangé les enfants, ils se couchent. Oui. T'as les pains. Tiens, buvez les enfants. Tiens, bois. Cody, tu veux. Allez, prends les autres. Allez. Bon coup. On dira à maman qu'on a mangé. Du beefsteak, des frites, un bon petit repas. On dit pas ça parce qu'on va se faire disputer sinon. Oui. Coucou tout le monde. Oh. Attends les enfants, c'est l'heure de manger. Oh. Oh non. On arrête de jouer, c'est fini. On va manger avec eux demain. Alors allez, on y va. Ouais. J'ai donc. Une surprise de toutes les couleurs. Il y a quelqu'un qui fait la tête. Et ouais, c'est peut-être la belette. Merci. Merci les copains. Oh là là. Bisous, bisous. Avec tous mes bras, je peux faire plein de câlins. Et je peux faire aussi quelque chose de très spectaculaire. Alors, fermez vos yeux les enfants. Regardez, vous fermez les yeux. Bon, allez, on va regarder 5 minutes la télé, puis après on va se coucher parce que là c'est... Attendez. Non, non, non. Non. Allez, la petite histoire et après au lit. Le petit bonhomme de pain d'épices. Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui habitaient une jolie maison tout en haut d'une colline. Le petit vieux aimait jardiner dans son jardin et il cultivait toutes sortes de légumes et passait de longues heures à les regarder pousser. Et le petit bonhomme de pain d'épices sauta, mais jamais il ne retomba sur le nez du renard. Le renard l'avait avalé. N'est-ce pas triste? Alors, vous avez aimé l'histoire? Oui! Oui? Allez, maintenant on se couche, dodo!
Un bisou et au lit. Allez, c'est parti. On s'allonge. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bonne nuit. Allez, dodo. C'est parti. Bonne nuit les petits chats. Dormez bien. À demain. À demain. Les petits loups, on se réveille les enfants. Les enfants, on va être en retard. On va être en retard à l'école. Voilà, dans 10 minutes, faut y être. Allez, vite, 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 vite. Allez, vite, on se coiffe. On se coiffe, on s'habille, on fait ce qu'on veut. Mais c'est parti. Je peux me coiffer tout seul. Vas-y, coiffe-toi tout seul si tu veux. Dis-moi. Toi, attends. Attends, attends. Est-ce qu'on peut dire que la bigumi c'est un jogging? Bon, allez, c'est ce qu'on va dire. On va dire que la bigumi c'est un jogging. Ouais. Mets juste une veste comme ça. Qui veut t'habiller en Mbappé footballeur? Mets ta veste. Allez, hop, la veste. Moi, tu diras que c'est le nouveau jogging de l'année. D'accord, et dis-moi. Voilà, toi t'es habillé. Ma veste. Non, Cody, Cody, Cody. Ta veste, tiens. Mais mets ta veste et toi. Un t-shirt. Voilà. Ah, Mbappé. En plus, c'est bien, t'as sport aujourd'hui. Mais cool. Moi, ça veut dire. Bah toi tu vas faire ta petite robe. Voilà. Et puis moi voilà. Je vais faire ma robe Mbappé. Et voilà. Désolée, j'ai pas eu le temps de prendre les habits qu'il fallait. Cool. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est bien comme ça? Ouais. Allez. Allez, c'est go. Parti. On prend un petit truc à déjeuner et on y va. Allez go les enfants. Allez go. À l'école. Go à l'école. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller les garçons. Bon, réveillez-vous tout doucement. L'école c'est dans une heure. Allez, on se réveille. Tout doucement. Je vais vous amener vos chocolats chauds au lit, d'accord? Ah oh, ça y est, t'es réveillée? Allez, on se réveille tout doucement. Allez, venez. Vas-y, t'es bien réveillée toi. Allez, on va s'habiller, se laver, se coiffer. Hop, allez. Je peux pas coiffer tout seul. Ah non, non, c'est maman qui te coiffe, tu sais bien. La brosse, non, le gel, je on se lave bien les dents. Allez. Je sais me coiffer. On se prépare. Hop. Allez, le dernier bouton. C'est bon, vous êtes bien prêts. Allez, hop, on peut aller à l'école. C'est parti. Allez, go, j'y vais. Allez, hop. Bon alors les garçons, est-ce que ce papa vicise maman vous a plu? Oui. C'était rigolo? C'était rigolo, oui. Quand même, c'était papa. Ah c'est plus rigolo avec papa? Oui. Ah bah tu m'étonnes, tiens. Oui. Bon c'est pas, en vrai c'est pas tous les jours comme ça hein. Non. Bah non. Il y a juste des trucs des fois que c'est vrai. Il y a des fois des trucs qui se rapprochent un peu de la réalité? Oui. Ouais. Il y a des trucs des fois vraiment. Bon alors dites-nous bah, si ce petit sketch vous a plu les copains. Et bah voilà, laissez-nous des commentaires pour nous donner vos avis. Allez, on va pouvoir dire au revoir aux copains. Au revoir les copains. Surtout pensez au pouce bleu. Et surtout abonnez-vous.